Bonjour Céline Spector, nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation de votre ouvrage « Rousseau et la critique de l'économie politique ». Vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université Paris-Sorbonne, mais vous avez aussi fait une carrière bordelaise à l'Université de Bordeaux-Montaigne en tant que maître de conférences et professeur. Et l'objet de cet entretien, c'est de mettre en évidence les aspects essentiels de ce nouvel ouvrage. Il est un peu inattendu de découvrir ce Rousseau, penseur de la philosophie économique. Pourquoi s'intéresser à Rousseau, penseur de philosophie économique ? Alors, merci de votre question. Il me semble que la question de la philosophie économique chez Rousseau n'est pas du tout latérale ou marginale dans sa philosophie politique. Elle est véritablement au cœur même de son intérêt pour la philosophie politique, et en particulier l'économie à ses yeux est une condition de possibilité de la liberté, de la vertu, de la justice. Donc il n'y a pas véritablement de théorie de l'État qui soit possible si l'on n'aborde pas les questions économiques majeures comme la théorie de la propriété, la théorie de la division du travail, etc. Vous avez consacré une réflexion philosophique importante à l'émergence de l'économie politique, notamment chez Montesquieu. Vous avez aussi consacré des travaux à Rousseau et à l'héritage philosophique de Rousseau. Comment est-ce que ce nouvel ouvrage s'inscrit dans l'ensemble de votre œuvre ? Alors, il me semble très important d'aborder les Lumières, non seulement à travers les grands idéaux qui sont habituellement cités, l'éloge des droits de l'homme, la tolérance, la sécularisation éventuellement, mais aussi par le bas. C'est une approche qui n'est pas seulement idéaliste des Lumières et du projet des Lumières, parce qu'il me semble que justement, lorsque l'on a cette approche idéaliste et simplement rationaliste du projet des Lumières, on s'expose aux critiques. Un certain nombre de critiques qui ont été énoncées par des conservateurs, par des communautariens, par les études postcoloniales aussi, et qui sont parfois justifiées. Alors que si l'on aborde en effet les Lumières par le biais de l'économie politique, on s'aperçoit qu'en réalité, les Lumières n'étaient pas du tout éthérées ou idéalistes, avec une vision naïve du progrès, avec une vision simpliste de la rationalité instrumentale, mais qu'au contraire, les Lumières françaises en particulier, moi je pense surtout à Montesquieu et à Rousseau, je ne voudrais pas faire une grande théorie générale, mais en tout cas Montesquieu et Rousseau ont tous deux considéré qu'il fallait partir en quelque sorte du bas, c'est-à-dire considérer les conditions de possibilité de la liberté, et pas simplement défendre la liberté comme un idéal abstrait ou purement spéculatif. Vous avez insisté, et c'est un peu l'idée centrale de votre livre, vous avez insisté sur le fait que Rousseau a finalement compris, à l'image d'autres philosophes des Lumières, les mécanismes de la société commerçante, le fonctionnement du capitalisme, et il oppose finalement à cette critique de la main invisible du marché, ce que vous appelez la main visible de la République. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage à ce propos ? Oui, absolument. Donc, depuis le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau tente de démystifier un certain nombre, disons, de phénomènes sociaux, et notamment, disons, le problème de la propriété privée tel qu'il s'exprime dans un certain usage des institutions par les puissants, par les dominants, par ceux qu'il appelle les riches. Et dès le second discours, Rousseau met en lumière un phénomène économique majeur qu'il nomme la question du surnuméraire, c'est-à-dire celui qui, au moment de l'appropriation primitive des terres, s'est retrouvé démuni, dépourvu de tout, sans terre en quelque sorte, et donc forcé de vendre sa force de travail pour pouvoir survivre. Ce problème du surnuméraire, c'est pour Rousseau le début de la question sociale. Et cette question sociale ne peut pas se résoudre par le simple biais d'une autorégulation des intérêts dans la société civile, comme si au fond il suffisait de laisser le libre jeu du marché opérer. Pour Rousseau, il est clair que seul l'État peut intervenir pour corriger les inégalités qui se forment et se reforment de manière inéluctable. Et comme il le dit très bien dans le contrat social, c'est parce que la force des choses tend à accroître les inégalités de manière spontanée que la force du droit, de la législation, doit constamment contrer, ce phénomène naturel. Alors quand on vous écoute, quand vous parlez de l'émergence de la question sociale chez Rousseau, de la problématisation des inégalités, on pense évidemment aussi à la pensée marxienne. Or, vous montrez aussi dans l'ouvrage que aussi bien Marx qu'Engels ont eu finalement une position ambivalente à l'égard de la pensée de Rousseau. Alors pourquoi est-ce que Marx et Engels n'ont-ils pas su, ou n'ont-ils pas voulu
percevoir, je dirais, la dimension critique de la pensée rousseauiste? Oui, alors c'est une question assez difficile parce qu'en réalité, on pourrait dire que le marxisme après Marx est revenu en revanche à Rousseau. Alors je ne crois pas qu'il y ait une éclipse, il n'y a pas non plus d'anathème, mais simplement un usage un peu distancié, mais qui tient aussi au positionnement général de Marx. C'est-à-dire qu'évidemment, il voulait en quelque sorte faire œuvre fondatrice, et dans cette mesure, venant après Hegel, c'est surtout la critique de l'économie politique hegelienne à laquelle il s'est attelé. Donc on a quelques notes de Marx sur le contrat social, il semble avoir lu en 1843, et on a un certain nombre de pastiches aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas, disons, d'appropriation directe de sa pensée. Or, je pense qu'en réalité, la critique que fait Marx de Rousseau, en disant, voilà, c'est une robinsonnade, hein, la théorie de l'état de nature, c'est une théorie de l'homme isolé, abstraction faite des rapports sociaux, cette théorie, finalement, ne porte pas vraiment contre Rousseau. Et je crois, au contraire, que c'est une polémique un peu facile, qui s'adresse d'ailleurs peut-être aux épigones de Rousseau plutôt qu'à Rousseau lui-même, alors qu'en réalité, Marx, à mon sens, a eu une véritable source d'inspiration, a trouvé une véritable source d'inspiration chez Rousseau, beaucoup plus qu'il ne le dit. Et notamment ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire la question du surnuméraire, la question de l'usurpation primitive dans la propriété, à mon avis, est une question qui l'a sans doute touché. La question aussi des effets pervers de la division du travail, la question, disons, de l'opinion, on pourrait dire, hein, pervertie par le fétichisme de la marchandise. Toutes ces thématiques marxiennes peuvent trouver une origine chez Rousseau. Alors on voit bien à vous entendre hein, que vous défendez hein, la thèse hein, d'un Rousseau hein, qui serait critique hein, de la doctrine du dominant, hein, c'est une expression hein, de votre texte. Comment peut-on se servir encore aujourd'hui de Rousseau pour la critique du libéralisme actuel ? Oui, alors c'est une question qui me paraît décisive. Rousseau, disons, intervient à un moment où la science économique se constitue comme une science nouvelle, notamment en France, avec les physiocrates, auxquels Rousseau répond, avec lequel il a un dialogue un peu avorté d'ailleurs, mais aussi évidemment en Écosse, avec Hume, et ensuite, plus tard, Adam Smith, qui sera un lecteur de Rousseau. Alors, il me semble que ce que Rousseau permet de démystifier, c'est un certain nombre, disons, de lois ou d'axiomes que l'économie politique comme science va poser de manière assez ferme dès les physiocrates ou dès Adam Smith, et on pourrait d'ailleurs en trouver des traces auparavant. D'une part, le postulat de l'universalité de l'intérêt, du désir de profit, le fait que nous soyons tous en quelque sorte des homo economicus, donc ça c'est le premier postulat que Rousseau va démystifier. Après Montesquieu, d'ailleurs, on pourrait trouver des antécédents, c'est-à-dire que nous avons toute une série de passions et de motivations qui peuvent être réorientées. On peut réorienter l'intérêt comme on peut réorienter les passions, par exemple, vers, disons, des dimensions plus publiques. Le deuxième postulat que Rousseau démystifie, c'est l'idée d'une harmonie spontanée ou naturelle des intérêts, qui va être vraiment au fondement de l'économie politique classique, donc la fameuse main invisible d'Adam Smith. Et de ce point de vue, Rousseau nous dit non, par exemple, le luxe ne permet pas l'harmonisation spontanée des intérêts. Disons, la richesse des uns ne fait pas nécessairement le bonheur des autres, ou en tout cas le salaire des autres à travers le luxe. Voilà, donc Rousseau, en quelque sorte, nous met en garde contre un certain nombre de topoi important du libéralisme économique qui vont ensuite prendre une dimension tout à fait importante et qui reste aujourd'hui au cœur du libéralisme contemporain. Alors on peut en donner évidemment d'autres exemples, par exemple l'idée du ruissellement, hein, c'est-à-dire que voilà, l'opulence générale créée par les inégalités comme telle profite aux plus défavorisés de la société. Rousseau est très hostile à ce point de vue, il dit voilà, de l'idéologie, hein, on pourrait dire. Le terme n'est pas de Rousseau, bien sûr, mais on peut dire qu'il s'agit déjà pour lui de démystifier une fausse croyance qui vient en quelque sorte servir les intérêts des dominants. Donc Rousseau considère que non, hein, simplement la polarisation des inégalités crée la misère rurale, crée l'exode rural, crée des conditions de vie impossibles, y compris voilà, aux artisans, et donc il faut y remédier par le biais de l'impôt, par le biais de la puissance publique. Merci beaucoup. Vous avez choisi pour cet ouvrage les presses universitaires de Bordeaux et notamment une collection qui s'intitule « Histoire des pensées ». Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi cet éditeur et cette collection?
Alors, je voulais d'abord, disons, rendre hommage à quelqu'un qui a été très important pour moi pendant mes années bordelaises, qui est Jean Terrel et qui a dirigé pendant de longues années cette collection Histoire des pensées aux Presses universitaires de Bordeaux, qui a été un interlocuteur privilégié pour moi pendant les années bordelaises. Et par ailleurs, il me semblait tout à fait important de rendre hommage aussi à l'Université Bordeaux-Montaigne, au moment de la quitter en un sens, puisque j'ai rejoint Paris-Sorbonne il y a environ un an. Le format que vous avez choisi pour cet ouvrage Rousseau et la critique de l'économie politique est un format relativement court, hein, l'ouvrage fait 150 pages. Est-ce que, je dirais, c'est un projet fini ou est-ce que vous envisagez d'autres travaux sur Rousseau, penseur de l'économie? Alors, ce projet-là, à mes yeux, est achevé. Il y aura sans doute d'autres travaux qui viendront ensuite le compléter. Je continuerai à travailler sur Rousseau, mais sous d'autres aspects. Et j'ai par ailleurs d'autres projets qui vont m'occuper dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Céline Spector. Et donc, longue vie à cet ouvrage, Rousseau et la critique de l'économie politique. Merci Tristan Coignard.